Alors mes amis, j'aimerais revenir sur quelque chose qui s'est passé il y a 2 semaines. Un des plus grands jours de l'année, Matan Torah, le don de la Torah. On ne se rend pas compte, mes amis, de la puissance de ce cadeau. Hachem, en nous donnant la Torah, il nous a donné l'éternité. La seule chose au monde qui garantit l'éternité du Ham Israël, la seule chose, c'est ton Shabbat, c'est ta Tzniout, c'est ton Daf Yomi le matin après la prière, c'est tes Tfilin, c'est ton Tzitzit. C'est ça qui nous donne la force de traverser l'histoire, mes amis. C'est ça qui nous protège de tous nos ennemis à travers toutes les générations. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je fais partie de cette éternité? Ou je suis dans cette éternité? Je vous laisse y répondre, mes amis, c'est pas la question. Mais je vous pose une deuxième question. À quel endroit Hachem, il nous a donné la Torah? À quel endroit ça s'est passé, Matan Torah? Alors tout le monde connaît la réponse, évidemment. Har Sinaï. La montagne du Sinaï. Alors maintenant, une troisième question. Laquelle de ces deux montagnes, mes amis, est la plus sainte? Har Sinaï ou Har Moriah? Har Moriah, c'est la montagne sur laquelle Hachem a demandé à Avraham Avinu de ligoter son fils Yitzhak et de lui offrir en sacrifice. Donc, troisième question. Laquelle de ces deux montagnes est la plus sainte? Alors, a priori, il n'y a pas de question. La montagne sur laquelle Hachem nous a donné la Torah est beaucoup plus sainte que Har Moriah. Nous disent nos sages, mes amis, non, Har Moriah est beaucoup plus élevée, beaucoup plus sainte, mais aucun rapport quoi, que Har Sinaï. Comment est-ce possible? Accrochez-vous mes amis, la réponse elle est juste grandiose. Sur Har Moriah, il y a un homme qui a été prêt à donner une des choses à laquelle il tenait le plus au monde. Son fils. Un fils qui l'a attendu toute sa vie. Un fils pour lequel il a prié jusqu'à l'âge de 100 ans, matin, midi et soir, Yitzhak. L'aboutissement de sa vie, Kibé Yitzhak, Ikaré, Lecha, Zara, car de Yitzhak descendra toute ta descendance, il lui dit Hachem. Avraham Avinu, il a été prêt à donner son fils Yitzhak à Hachem. Nous disent nos sages, c'est ce qui fait de cette montagne jusqu'à ce jour l'endroit le plus saint du monde. Encore plus que l'endroit où la Torah nous a été donnée. T'es fâché avec ta sœur, tu lui parles plus depuis 2 ans. Elle t'a fait un truc impardonnable, une crasse, mais démentielle. Hachem, ça, je vais te le donner. T'envoies un message à ta sœur et tu l'invites au resto. Plus grand que le don de la Torah, ce que tu viens de faire maintenant. Cet été, Hachem, je me baigne qu'à la plage chez Paris. Aucun homme me verra en maillot de bain cet été. Rien. Et tu te fais chambrer par toutes tes copines. Plus grand que le don de la Torah, ce que tu viens de faire. Il y a un petit resto italien en bas de chez toi, déclassé, pas cachère. Et t'arrives pas à t'arrêter, ce resto, il t'attire tous les jours. Hachem, je te le donne, ce resto. Allez-y, dites-le. Plus grand que le don de la Torah, ce que tu viens de faire. Mes amis, on doit bien retenir cette règle. Là où il y a un dépassement de nous-mêmes. T'as super envie de regarder un truc tordu sur ton téléphone. Tu regardes pas, tu poses ton téléphone, tu fais schéma Israël et tu vas dormir. Là où il y a un dépassement de notre personne, t'as réussi à te dépasser. T'as réussi à donner quelque chose à Hachem de très dur pour toi. Plus grand que le don de la Torah. À cet instant, t'es au niveau des plus grands tzadikim de notre peuple. Et à cet instant, c'est le moment où Hachem, nous disent nos sages, il est le plus proche de toi pour écouter ta prière. Mes amis, il ne reste pas beaucoup de temps pour que la lumière de Mashiach inonde l'humanité entière. C'est maintenant qu'il faut se dépasser. À bientôt.